carte. Ok. Ah oui. Sale. Coucou. Salut. Salut. C'est Sarah avec Lise et avec Sandar et on se retrouve pour un vide-grenier. Ouais. On a fait v'là les vide-greniers. Sous la pluie. On était très très en colère parce qu'on a fait un vide-grenier qui était nul alors qu'il était censé être gros, mais en fait on a trouvé plein de trucs après. Après eux, ils vont dire non, on a rien trouvé. Moi je trouve qu'on a trouvé des trucs. Si, on a trouvé un truc dans le premier vide-grenier qui était trop bien. Mais genre on l'a vu à l'arrache et il est un peu cassé. Mais c'est trop bien quand même. Chacun son tour, vas-y. Tada. La voiture de Buzz. Buzz l'éclair, il monte dedans. Oui, mais avec Woody. Woody aussi, voilà. Oui, non, il est pas. C'est la voiture d'Andy. C'est la voiture d'Andy dans Toy Story. Voilà. Aurel, il continue sa collection. Mais elle est cassée. Mais elle est cassée, mais bon, on l'a eu à 1 euro. Il y avait la télécommande, mais elle l'a oubliée chez elle. Oh, elle aurait pu l'envoyer par la poste. Ah, ouais, j'avoue, elle a pu prendre l'adresse. Grave, hein. T'arrêtes de toucher son. Non, mais son petit bout rouge. Bon, c'est bon. Bon, Sandar, tu veux choisir un truc? Mais... Ça, il y a beaucoup de choses à vous montrer, alors on va assez vite. Ouais. Bah, au pire, il y a le montage, hein, donc qui a coupé? C'est qui monte, hein. C'est pas moi. Premier vide-grenier aussi, Saren, il a trouvé un CD de Daft Club. Ouais, et Daft Club. Du coup, c'est quoi? C'est plein de titres de Daft Punk remixés en clubbing. Donc voilà, c'est genre. Aïe, 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 aïe. 1,50€ divisé par 3. 1,50€, ça fait 13,33€. Alors ça c'est un cadeau que... Spécial big up, on les aime très fort. Ils ont fait les oreilles, ça nous fait vraiment plaisir. Ils nous ont fait un super cadeau pour la déco de l'appart. Je vais vous laisser découvrir parce que bah, je garde un peu de suspense, c'est normal parce que c'est un objet vraiment très geek, très rare, très cool. Il vaut oufissime. Tada. C'est pas une blague, ils l'ont vraiment acheté dans le grenier pour nous. C'est trop mignon. Un petit York avec un petit nœud et des petites ballerines sur une petite boîte. Ça ira au-dessus de mon bureau, apparemment j'ai pas trop le choix. Exactement, voilà, donc... de rien à moi. Alors, Toy Story. Sandar et Sarah, ils nous ont trouvé ça. Mais nous, on fait des bons cadeaux, nous. Il est trop beau, c'est un putain de Buzz l'éclair à la rescousse. Et en mode tout brillant. Tout brillant, argenté, chromé, zélé, fibre d'acier, droité. Et un petit sac trousse Toy Story aussi. Une trousse de maquillage. Ah, ça pourrait devenir. Ouais. Ça vient de chez Mickey. Je sais pas le prix, 50 centimes. Alors, c'est à Sandar de montrer un objet. Encore les cadeaux. Ça, c'est un cadeau pour Sarah. Sarah c'est une petite pute. Oui. Le Kitty. Et c'est tout rose. Ça, il peut le mettre dans sa voiture. Comme il peut le mettre dans son cul. On le voit à peine. Du coup, on a trouvé un autre truc qui va un peu avec le Hello Kitty. Bah, c'est toi qui l'as trouvé. Tu l'as payé combien? Doudou. 50 centimes. Et c'est un objet exclusif. Il est magnifique. Il vient tout droit de mon cul. C'est comme le truc de Princesse Starla. Princesse Starla. Et les joyaux magiques. Sans connaître. We got you, les fiotas. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Magie. Ça, c'est cool. Ça, ça me fait plaisir. Ça, je trouve ça. Ça, me fait plaisir. Ça, je trouve ça. Oui, bon, on a compris que ça te faisait plaisir et que tu trouvais ça cool. Ça fait plaisir. Ça cool. C'est Aurel qui l'a vu. 50 centimes. Bon, faut pas avoir des gros bras. Parce que. Et il est en mode je regarde en haut et je suis tout en bas. Oh là, encore une Hello Kitty, mais on s'en fout. Oh, c'est encore un cadeau. Moi, j'en peux plus. On s'en fout. Moi, je suis content parce que ça, ça fait plaisir. J'ai payé un peu cher, mais c'est des BD que vous connaissez ma collection. Du coup, c'était une BD Simpson. Donc, c'est Bart Simpson, tome 1, Prince de la farce. Donc, était à 2€. Et on a encore les cabanes des horreurs. Cabanes des horreurs, voilà. Mais la cabane des horreurs, les Simpsons en direct de l'au-delà. Ça, c'était 5€. Aïe, elle vaut plus rien. Elle m'a fait les deux pour 6, donc ça fait en gros 3€ la BD, ce qui est... Ça va. Ouais, si tu divises 6 par 3, ça fait 12. Moi, j'irais que ça ferait 13,30€. LOL XD. Là. Euro. Encore un cadeau pour Sandar et Sarah qu'on a trouvé. Oh, moi, je m'en bats les couilles, perso. Oh bah, un cadeau pour Sandar, Sarah. Oh là là, c'est même plus qu'ici, Sandar. Oh, un petit lot de sacs Pokémon. Non, mais si, parce qu'il y a ça à la mèche, en fait. Oui, il y a un ça à la mèche derrière, là. Non, mais là aussi. Et on a payé ça 10 centimes, voilà. Il y a Mego, il est en train de lécher Ectoplasma. Ouais. Donc c'est quoi ce truc là? Bah c'est un pistobel. Oh. Ouais, on avait déjà un plus un grand, le contenu double à l'envers et dans la ouais, vidéo. Voilà, on est très content. Ça c'est en version mini quoi. Voilà. C'est un bruit. C'est assez supportable comme bruit là. Ouais. Sorti, allez. 13,33€. Ça va les coups. Ça va les coups. Alors je disais, t'as un très beau pistolet de Buzz. C'est le pistobel que t'as payé que t'as pas marre. D'où il s'est trouvé un truc pour mettre des gâteaux, une boîte, lunchbox. Lunchbox, merci.
Sandar. Sandar, ça râle. Merci, Sandar. Est-ce qu'il y a des gâteaux dedans? Oh, merde, j'arrive. Ça s'ouvre de l'autre côté. Là, c'est la charnière. Est-ce qu'il y a des gâteaux? Eh ouais. Non. Alors, on a trouvé un truc trop cool. J'avais le tome 1, on a trouvé le tome 2 de Pokémon La Grande Aventure, le gros manga. C'est vraiment chouette. Tome manga. Et bah, dedans, en plus, il a une invitation pour un anniversaire. Alors, écoute, si tu t'appelles Lucas Bourrel, bah, je suis désolée, mais on sera en retard. Mais on arrive, on a ton numéro de téléphone. Merci beaucoup. Et ton adresse. De 14 à 17h, le 5 juillet 2014. Ah ouais, on est très en retard. Et du coup, ouais, je suis très content, le tome 2, La Grande Aventure, parce que La Grande Aventure, ça prend le... On est sur le début de... On est sur la saison 1, en gros, quoi. La Bohème. Avec Régis, il y a Régis sur la couverture. Et tu avais le tome 1 déjà? J'avais le tome 1 et je trouve le tome 2, c'est assez ouf. Ouais. Et donc je l'ai payé 13,33€. Non, je l'ai payé 1,50€. Ah si, je sais ce que je vais montrer. L'instant carte. Ouais. L'instant carte. Alors, j'ai décidé de faire l'instant carte, même si je connais pas du tout, ça va être drôle. Alors, on y va. Ça, c'est un Pokémon. Vous me suivez. Ça, c'est un Pokémon. Et ça, c'en est un autre. Celui-là, il a froid. Et ça, c'est un Pokémon qui fait dodo et qui pleure en même temps. Parce qu'il est triste et il est fatigué. Et ça, c'est Salamèche. C'est le Pokémon préféré de Sandar. Salamèche. Oui. Salamèche. Et ça, c'est un Pokémon fleur qui s'appelle Lilia. Comme dans Scène de ménage. Ça, c'est une recherche d'énergie. Parce que si t'es fatigué, cette carte, elle peut être vachement intéressante. Et ça, c'est un Pokémon un peu dégueu qui a un nom un peu dégueu. Il s'appelle Cradopo. Ouais, trop cool. T'imagines, c'est un starter et c'est Cradopo, quoi. La loose. Et ça, c'est un autre Pokémon qui est trop mignon. Escargome. Franchement, je sais pas où ils vont aller chercher leur nom. Et ça, c'est un autre Pokémon. C'est Skelenox. Nox, ça veut dire nuit en latin. Oui, monsieur. Et ça, c'est Mistibule. Putain, mais ils ont des noms trop chelous. Ah, ça, c'est Parasect, première génération, je connais. Oui, monsieur. Ça, c'est Machamper, première génération, je connais aussi. Ça, c'est Écrapin. Faut pas le chercher trop longtemps, sinon il peint. Et ça, c'est Exagel. Bah, c'est le Pokémon qui était froid tout à l'heure. Ah, mais j'ai déjà fait le tour. Je vais prendre le deuxième tas. Alors, ça, c'est Tauros, première génération. Il est aussi dans Pokémon Lune. Je l'ai eu comme monture. Oui, monsieur. Et ça, c'est Brindalis. Tout à fait. C'est un Pokémon, wesh. Tout à fait. Alors, ça, c'est Mustéflotte. Mustéflotte. Ok, très bien. Loquepin ou Loquepine. C'est quand tu viens où t'habites. Ça, c'est Poichigon. On en revient toujours avec le G. Poichigon. Colombo. Ah, ça, c'est hyper intéressant. Quand tu as envie de parler à des gens, et il te faut un communicateur Pokémon. Moi, je valide. La pouce jaune. Je plus sois. Pouce jaune. C'est jaune, il est pas jaune, moi. Récupération d'énergie. Je suis pas bourrée. C'est quand tu es fatigué, tu récupères ton énergie avec cette carte. Et ça, c'est les Arbis. Ça, c'est trop bizarre parce que t'en as genre je sais pas combien et tu les trouves un peu n'importe où et c'est des Pokémon qui servent à rien. C'est bizarre, d'ailleurs, ça s'appelle les Arbis. Bah ouais, c'est Arbis, les bizarres. Les bizarres, c'est Arbis. Et ça, c'est Porygon. Première génération, tu le gagnais dans le casino, je me rappelle. Ah, c'est l'Adopol. Oui, monsieur. Nidorino, dans le parc safari. Oui, Chaffreux, parce que c'est un chat qui est affreux. Alors qu'en fait, tu les choues. Et ça, c'est Tauros. Je l'ai eu en monture dans Pokémon. Voilà. Donc, c'était toutes les cartes. Et je crois que la meilleure, c'est le Carapuce. Là. Non, ça la mèche. Voilà. C'était 10 centimes. C'était 10 centimes la carte. Merci de m'avoir regardé, petit scarabée. Salut. Au revoir. On s'est fini l'instant 4, qu'est-ce qu'on dit? C'était bien. Ah, c'était bien. On avance. Que c'est une évidence. On avance. Moi, je reste dans les trucs mignons. Toujours une petite voiture de Buzz. Avec un petit Buzz. Et avec une petite... Comment il s'appelle? Jessie. Mais en fait, elle est trop bizarre parce que... Il lui manque son chapeau. Et déjà, elle l'avait oublié chez elle, la meuf. Mais pas du tout chez eux, elle était ouais, mais grave. Et en fait... Elle marche. Elle court, si on peut. Bon, puis j'avais un Rubik's Cube Stitch, voilà. On a mis 100 ans à faire. C'est qui j'ai fait? Ah, c'est Saran, parce que Sandar et moi et Aurel, on n'était pas capables de faire un Rubik's Cube de... À 4 cubes. On a trouvé... alors, c'est quoi comme personnage, Aurel? Gohan en deuxième évolution, il m'a dit un truc comme ça. Deuxième transformation. Ouais, évolution, c'est Pokémon. Ils ont trouvé un Superman. C'est un Godmiché Batman. Mais il vibre, en vrai. Oui, il vibre. Ensuite, ils ont trouvé un petit Evoli de McDo. Mais celui-là, on l'avait pas. Vous avez la queue qui bouge. Vous avez la queue qui bouge, oui. Et ils mangent, je fais un cadeau. C'est Rayquaza, Pokémon légendaire. Alors ensuite, 1€ le DVD. Pas cher. C'est Lise et Aurel qui ont trouvé. Alors nous avons Good Morning England de... England. England. Je connais quand même. De Richard Curtis.
Curious. Ah, tu dis Curious. Curious. Ah, Curious, yeah. Ensuite, nous avons Cheetah. Elle a percé. Je casse tout chez eux. J'ai fait un trou dans la lampe, j'ai cassé sa DS et j'ai cassé son verre Batman. Ouais, donc c'était Titanic. Ensuite, nous avons Into the Wild. Ensuite, SOS Phantom. Ghostbusters. Merde, je suis en train de spoiler le dernier. C'est les Gremlins, voilà. Gizmo, ne nous rissez pas. Ne nous mouillez pas. D'ailleurs, en parlant de Gizmo, on lui fait un gros coucou. On lui fait un gros Gizmo, fuck. Ouais. À Gizmo. Gizmo. Fuck Gigi. Moi, j'ai envie de montrer un truc que tout le monde s'en fout, mais j'ai trouvé ça juste trop cool avec Aurel. Un clown qui fait super trop flipper. Et la taille. Mais la tête, elle est juste excellente, quoi. Le truc qui fait bien peur, voilà. 3 euros. Ouais, et puis j'ai envie de vous le montrer parce que c'est bien dégueu. On a trouvé une tarentule. Une grosse, hein. Elle est quand même pas mal. Mais Sandar elle aime pas. Un petit The Mask. Et ça fait la tchik tchik et boum, tchik tchik et boum, tchik tchik et boum. La señorita, elle chante, elle danse, elle balance. Il est charmant, plein de piment. Il y avait Pampan aussi. Pampan. Parce que l'année dernière avec Sandar et Sarah, eh ben, j'ai trouvé deux Bambi si vous vous souvenez. Il est parti où sans Sarah? Il est parti où? Mais il est parti où, Sarah? Je sais pas, faisons-le apparaître. Allez, on y va, toutes les deux. Wingardium Leviosa. Waouh. Waouh. C'est comme la pizza 4 chaussures, ça brûle les yeux. Pourquoi t'as un pain dans la casquette? Parce que c'est le style américain. On a trouvé des jeux, c'est trop cool, et après on finira sur un coup de fusil, ok? Ça fait plaisir. Alors du coup, on a trouvé des jeux, un jeu de Wii que j'ai payé... 13,33€. 1,50€. C'est Metroid Prime Corruption sur Wii. Ça fait très plaisir. Ensuite, on continue avec 3 jeux que j'ai payé 10€ les 3. Donc ça fait 3,33€ le jeu. Naruto Rise of Ninja, toujours complet sur Xbox 360. Devil May Cry 4 sur Xbox 360. Même le diable peut pleurer. Et là c'est vraiment cool parce que je suis, bah vous savez que c'est ma série de combat préférée, hein. Dead or Alive 4 sur 360. Yeah, mort ou vivant. Oui monsieur. 4 fois. Et on finit avec le coup de fusil. Pour le full set GameCube, donc c'était 5€ le jeu, et il y en a 10, mais on l'a fait pour 40€, ce qui fait 4€ le jeu. Donc on est que sur du GameCube, je vous les ouvre pas, ils sont tous complets, tous en super tous état, parfait. Et que des super titres. On a Time Splitter 2, pour pas faire dans l'ordre, c'est deux, trop c'est cool. On a Prince of Persia les 2 Royaumes. Deux Royaumes, ils sont combien? Deux. Yeah. On a Prince of Persia Warrior Within. On a le Seigneur des Anneaux, le tirage quoi? Du loto. On a Time Splitter Future Perfect. On a Call of Duty 2, Big Red One. Harry Potter et la Coupe 2. C'est le seul jeu que j'avais déjà dans ma collection de GameCube, mais il n'était pas en complet. Il est en complet, monsieur Darwin. Oui. On a Geist. On a Splinter Cell Chaos Theory. Théorie comme Big Bang Theory. How all universe and our things spread and nearly fatten billions expanding years of static weight. Non, j'ai dit de la merde, le jeu de Wii, Metroid, en fait c'était avec les jeux de GameCube, donc ça faisait 10 jeux en tout, bah de la merde. Bon, et ben c'est tout, c'était vraiment bien, on a fait vraiment beaucoup de vide-grenier qui était vraiment cool. On a trouvé des trucs bien, on est content. Salut, bisous tantôt, mettez des pouces bleus, mettez des pouces jaunes, mettez des abonnements et des trucs Facebook, Twitter. Et des cloches. Et nous on vous aime beaucoup et à la semaine prochaine si vous avez survécu à cet épisode avec nous trois. We Guardium Leviosa. Yeah.